quel sont ton premier ressenti après cette conférence sur le Tour de France 2019? Je trouve que c'est un tour qui est intéressant. Sur le papier, c'est moins spectaculaire que l'année dernière, où on avait un triptyque alpestre qui était vraiment impressionnant, avec des étapes pyrénéennes dantesques. Là, il y a toujours des cols mythiques au-dessus de 2000 mètres, certes, mais il y a surtout beaucoup d'étapes très vallonnées, où des coureurs qui ne sont pas forcément l'élite mondiale du cyclisme, à savoir les 5-6 meilleurs coureurs qui surclassent la discipline, peuvent pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de cols deuxième catégorie, il y a beaucoup d'étapes vallonnées, mais qui ne sont pas insurmontables pour des coureurs qui se disent, moi, quand je vois une étape avec le Tourmalet, avec des cols à plus de 2000 et qui a 5000 mètres de dénivelé, je dis, je vais faire quoi? Je ne vais même pas m'échapper parce que je sais que le lendemain, j'ai une étape qui est encore compliquée. Or, sur ce Tour de France, il y a quand même, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les téléspectateurs qui risquent pas de s'ennuyer parce que il y a pas vraiment d'étape où on peut se dire là ça va être une étape un peu lancinante. Et il y en a surtout pour les coureurs et pas que pour les meilleurs coureurs, pas que pour les meilleurs sprinteurs, pas que pour les meilleurs grimpeurs. Il y en a vraiment pour tout le monde et ça c'est intéressant. C'est un tour avec des étapes de plaine un peu plus accidentées, donc ça risque peut-être de te réussir un peu plus. Oui, je pense qu'il y a, encore une fois, je pense qu'il y a, s'il y a des initiatives à prendre, elles seront plus facilement envisageables. Je pense dès le départ en Belgique avec le mur de Grammont, après quelques kilomètres, ça peut permettre à une échappée de baroudeurs, mais de baroudeurs costauds, de s'échapper, pas simplement à un ou deux coureurs, voilà, de se dire on va faire des temps d'antenne. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire et il y a vraiment plein d'étapes qui me parlent parce que je me dis il y a moyen de jouer. Ok, merci Yohan. De rien.